Aïe aïe aïe. Ah ouais. Allez, adieu petit Big Mac. Ouh. Ah, le verre, il a peut-être pas apprécié le... What the... Mais ça réagit 10 minutes après. Ouais. À mon avis, tu vois, la rouille qu'il y a eu, ça l'a protégé de ouf. Ouais. Parce qu'il était tout rouillé. Ça, c'est du jamais vu. Un Big Mac au PQ. C'est moelleux un peu. Comme les, voilà. Comme les cookies. Je fais des bonnes comparaisons. On l'appelle l'expérience du serpent noir. What the fuck. Regarde. Bon, t'es prêt, Michou? Je suis prêt. 3, 2, 1, go. Ça va péter. Yo les petits potes, yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo très spéciale. Comme vous voyez, je suis pas du tout chez moi, on est dans un espèce de grenier. Aujourd'hui, on va faire des expériences scientifiques. Et je suis pas tout seul, pour faire ces expériences, je suis accompagné du grand Edison. Comment il va Michou? Oh là là, ça va, il est venu, mais c'est une grosse soirée là. Merde, il marche plus. Ah merde. Merde, normalement tu devais être enfumé pour être. Ouais. Bonjour à tous les amis. Ça va ou quoi? Ah excuse-moi, j'ai fait une énorme. On avait d'accord. Merci Michou pour l'accueil. Edison, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire dans cette vidéo? Alors aujourd'hui Michou, je t'ai préparé des expériences avec de l'acide sulfurique. Ça va être incroyable. Et en fin de vidéo, je t'ai préparé un petit bonus qui va arriver, tu vas voir, où il y aura peut-être quelques explosions, tu verras. Ah ouais. Et ça va péter aujourd'hui. Exactement. Et aujourd'hui on va tester deux sortes d'acide. Je t'ai préparé des expériences avec de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique. Et ouais. C'est quoi la différence parce que j'y connais rien? T'as doseur ou pas? Ah ouais, non, c'est bon. En très court, l'acide sulfurique c'est un acide qui est utilisé pour faire des engrais, pour faire des batteries, etc. C'est un acide extrêmement puissant, extrêmement fort. Faut jamais mettre ça dans le fond. Ah ouais, ah ouais, ok. Après il y a l'acide nitrique qui est un peu moins puissante, un peu moins corrosive, mais qui, tu vas voir, qui va réagir différemment avec différents objets. Par exemple le métal va réagir avec l'acide nitrique et pas avec l'acide sulfurique. Ok, ok, ça va être lourd. Voilà. Bah les gars, on va tester tout ça hein. On va verser de l'acide sur plein de trucs différents et c'est parti. Et c'est parti. Donc déjà, bien évidemment, avant qu'on commence, la sécurité Michou. Ouais, sécurité avant tout, c'est vrai, important. Donc, pour s'équiper, okay. Tu vas commencer par mettre ce petit masque, okay. Bon, ça c'est pour éviter de se propager des maladies, ça sert à rien pour l'acide. C'est pour le coronavirus ça. Exactement, ensuite de ça tu vas mettre ce petit masque ici même. Ok, comme ça. On ne voit quasiment plus là. Là on est équipé là, là on a du flow hein. Ensuite de ça, 6 projections d'acide il y a, regarde. Blister, hop, tu vas avoir une autre tête par contre mon gars. Et l'élément le plus important, les gants, pour justement éviter de se désintégrer la main tout simplement. Et gros malin que je suis, j'ai acheté qu'une paire, donc c'est pour toi. Ah si, mais. Et moi j'ai des gants. Et toi tu vas te brûler la main. Regarde mes gants gros. Ah ouais. Des gants, ça va. Des gants cryogéniques. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu veux que je manipule l'acide ou est-ce que tu veux le faire? En vrai, je suis chaud. Fais-le d'abord et après je testerai. Ah donc toi tu me laisses prendre tous les risques. Voilà, exactement. Très bien. Alors, c'est toi qui t'y connais là. Donc regarde, là on va verser de l'acide sulfurique ici même et on va verser de l'acide nitrique dans celui-là. Ok. Il faut vraiment faire ça au niveau de la sécurité, de faire ça dans une pièce ventilée, c'est hyper important. Ouais. Donc, il pèse son poids lui. Hein. Là, c'est que de l'acide là. Acide sulfurique concentré à 96%. Ah ouais. Autant dire, faut pas en boire là. Ouais, non, on va éviter. Tu donnes ça à quelqu'un, tu lui fais croire c'est un verre d'eau. Donc là, dans ça, je mets mon doigt, il se désintègre. Oui. Ok. Donc tu vois que la consistance, c'est un peu un liquide visqueux. Ouais, c'est pas fluide totalement. Visqueux, ouais. Et donc l'autre, vraiment, on met bien les gants. Ouais, t'inquiète. Ah lui il est un peu moins visqueux lui. Non, ouais. Plus liquide. L'acide nitrique ça sert à séparer l'or et l'argent. T'imagines la puissance pour le métal? Ah ouais. Mais comment c'est possible genre? En gros l'acide... Oh putain. C'est horrible pour parler. C'est insupportable à parler. En gros l'acide elle va décomposer des éléments chimiques qui vont séparer justement les métaux. Tandis que l'acide sulfurique qui elle est plus puissante parce qu'il n'y a pas les mêmes composants dedans qui fait que ça intervient et que ça oxyde justement le métal. En gros c'est ça. Rien compris. C'est pas grave. On a parlé japonais. Non, pas grave, genre j'ai compris. Donc là Michou, la vidéo elle va commencer maintenant. J'ai découpé ces belles petites jonquilles dans mon jardin ce matin et je vais te demander d'en plonger une dans chacun des bols. Là j'en prends direct non? Tu vas voir. Je fais les deux en même temps? Les deux en même temps. Plonge-les bien généreusement. Ok. Première expérience. Avec des jonquilles. C'est incroyable, il se passe rien. Attends quelques secondes. Ok. Oh, il y en a une, elle est en train de fondre. Oh, c'est la gauche. Et elle est encore éclatante, hein. On va dire que c'est le premier produit pour que tu constates l'effet que ça fait sur une fleur. Et je pensais que ça agissait immédiatement. Non, en fait, pas un peu de temps. Enfin, un délai d'attente. Mais tu vois, celle-là, elle est pas impactée. C'est vraiment là où tu vois qu'il y a des propriétés différentes, en fait. Ok. Ah, par contre, celle-là, mon gars, elle est démoule. Elle a été bouffée. Elle est toute noire. C'est impressionnant, en vrai. Celle-là, c'est comme si je l'avais plongée dans de l'eau, genre. Ouais, exactement. Oh, elle est toute noire. Voilà. Là, elle a fait son plein effet, tu vois, elle a été complètement désintégré par l'acide. Donc là maintenant on va passer à un autre objet et moi je vais vider dans des bacs spécialisés pour après mettre l'acide dans des déchetteries qui sont habilitées à recevoir de l'acide justement. Bon, on va dire que là je t'ai mis dans le bain, maintenant on va attaquer le concret. On commence crescendo. Ah c'est du sucre. Je vais te demander de verser un peu de sucre. Tu mets limite tout le paquet. Ah ouais? Ouais, tout le paquet. Ça y est, le pot est vide. Putain, je pensais pas que dans tout ça il y avait que ça. Est-ce que t'es prêt? Franchement, je suis archi prêt. Donc on va reprendre l'acide sulfurique à 96%. Allez. On va verser là-dedans. Ah ouais, là ça va agir directement. Là ça va agir direct. Oh.
Et là Michou, oh, il est en train de couler sur le côté. Vas-y Michou, touille un petit peu. On va mélanger tout ça. Et n'hésite pas à bien touiller. Oh. Et ça résiste hein. What the fuck. C'est devenu tout orange. Toi tu sais ce qui va se passer. Et c'est de plus en plus dur. Le bâton il va rester. Vas-y, coincé. Tu peux virer le bâton là. Mais attends, mais on dirait du caramel maintenant. C'est que le début ça. C'est que le début là. Ouais. Mais bah, il va plus avoir de sucre à la fin. Il est tout noir. Faut attendre un petit peu, c'est un petit peu long. Ok. T'entends que ça crépite un peu ou pas? Ah ouais, de ouf. Ah ouais, c'est vrai. Ça va pas péter. Non. Regarde, c'est parti. Oh, oh. Regarde, c'est parti. On l'appelle l'expérience du serpent noir. What the fuck. Regarde. Oh, what the fuck, c'est incroyable. Regarde, et en fait. Mais c'est quoi ce bordel? T'as vu le temps que ça a mis? What? Oh, toute la fumée, gros. T'as un fumigène pour aller au stade. Attends, mais j'avoue, c'est un fumigène, bordel. Est-ce que tu sais pourquoi ça réagit comme ça? Non, aucune idée. En fait, l'acide, elle a. Attends, mais ça a pris d'un coup. C'est du carbone. Ah ouais? C'est du carbone, mec. Oh, c'est incroyable en vrai. Oh, ça pue. Non, non, tu risques rien. Rien du tout. C'est du carbone. Non, vraiment. Oh, ça sent tellement fort. Mais ça sent ah, caramel. Bon. Ouais, mais là, c'est caramel fois 1000. Ça pique les narines, genre. Donc, regarde, là, ce qu'on va faire. C'est qu'on va le prendre et on va le mettre à la fenêtre. Eh mais ça continue à fumer hein. Alors, t'as kiffé ou pas ça? C'était trop tard. Ouh. Ah, le verre il a peut-être pas apprécié le... What the... Ça a explosé. Ah, le verre il a pas du tout la l'habitude. C'était pas prévu ça. Bon, ça va? C'est incroyable là. Ah ouais mec hein. Ah ouais, mais what the fuck. T'as vu le morceau toi? Mais mais c'est un bloc de charbon, il y a même du verre encore collé. Ah oh, ça se sent fort. Ah ouais, ça se sent fort. Ok, un peu plus loin. Et heureusement que la cour elle est grande parce que mon chien était dehors quand même. Je tiens à te dire. Mon chien est de l'autre côté. Ah ok, ouais. Mon chien est de l'autre côté. Ok, donc ça va. Tu le dis dans ta vidéo qu'elle a chié dans. Ah ouais, on l'a pas dit ça les gars. Edison est venu me chercher à la gare. Et donc de la gare jusqu'à ici, bah on était dans la voiture et tout. Et Yuki elle est un petit peu malade en voiture. Elle a bégère dans la voiture. Oh c'était dégueulasse. Allez. Ok, tu ramènes. Là c'est l'acide. Là c'est le. L'acide nitrique. Ouais, ok, là c'est l'autre. Ah, tu as okay, les deux acides. Tu l'inverses ah, ou vas-y, tu l'inverses. Je peux te dire comme ça. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, on baisse encore. Mais voilà, okay. Voilà. Ah oui, pour pas que ça éclabousse. Vas-y, tu peux en mettre un. Impeccable. Oh, aïe, aïe. Michou, t'aimes bien les œufs? Ouais, j'aime bien, ouais. Pourquoi? Bah, tu vas voir. Je vais te faire des œufs en neige, mon pote. Mets les deux œufs ultra délicatement dans les deux récipients. On a les œufs. Ce sont des œufs totalement normaux. Ce n'est pas truqué. Adieu petits œufs. Faut les poser après. Vas-y, vas-y, oh, vas-y. Oh, what the fuck. Ici il se passe rien. T'as vu? Et c'était instantané. T'as ouais, vu ici ça mousse direct. Et il est en train de prendre une autre couleur, genre. Ça mousse à mort, gros. Attends, mais la mousse elle s'arrête pas en plus. C'est de la mousse ou pas? Ouais, ouais, en okay. Fait c'est l'œuf qui est complètement attaqué par l'acide. Et là en fait c'est l'œuf qui est en train de se désintégrer. Ouais, exactement. Okay. Et t'as vu? Et lui il pâlit un peu. Ouais. Mais ça fait rien. Ah, c'est vrai. Et tu vois, c'est intéressant de voir que ça a des propriétés différentes, quoi. Ouais, ouais, ça c'est incroyable. Hein. Regarde, on va faire d'une pierre deux coups. Oula, pourquoi tu nous as ramené du fric là? Attends, pourquoi tu m'as ramené ça là? Ah, tu vas le verser dessus. Donc là, l'acide sulfurique, tu le verses ah, sur le PQ. Ouf. Et ouais. Mais attends, mais what the fuck? T'as vu déjà la couleur que ça prend? Ouais, ouais, c'est tout jaune. Oh, c'est en train de fondre. Waouh, mais ça devient noir instant. Le pire, c'est qu'ici, t'en as pas mis, y'a rien. Et là, on voit, c'est en train de fondre, genre. What? Mais what the fuck? Ça fait comme pour le sucre. Exactement. Sauf que là, y'a encore plus de bulles parce que tu vois. Waouh, y'a de l'air à l'intérieur. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, ça y est, ça ressent. Ah, ouais, ça ressent. Là, c'est plus du caramel par contre. Oh, pop PQ quoi. Oh, il ressemble plus à rien le truc. Un volcan. Ouais, c'est ça, avec le petit trou au milieu. Tu vas en mettre au-dessus ou pas pour le plaisir? Eh, franchement, vas-y. Est-ce qu'on en refait un par-dessus? On va rajouter de l'acide alors que c'est déjà carbonisé. Hein. Ça, c'est du jamais vu. Un Big Mac au PQ. À mon tour. Comme ça? Nickel. Allez, on en rajoute. Putain, bordel! Ah, oh, mais là, ça ressemble même plus à rien. Là, ça ressemble même plus. Oh, mais direct, mais c'est incroyable! Et ça enfume la pièce instant, hein. T'as vu ça, mec? Et le pendant ce temps-là, gros, il nous a créé de... je sais pas combien de mousse, là. En vrai, c'est beau, hein. En vrai, c'est beau. T'avais jamais vu, toi, les expériences? Non, j'avais jamais vu. Allez, bon, Michou! Ouais, en fait, ce pot, c'est le pot magique. Là, ce que je t'ai prévu pour la suite, je sais que t'aimes bien Uber Eats, toi. Uber Eats, tu l'as dit ouais, dans les vidéos. Ah, bah, d'où, gros? C'est un peu la vie à Paris, non? Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est très rare que je cuisine. Bah, déjà, faut que j'apprenne à cuisiner, déjà. Mais pourquoi tu me parles d'Uber Eats? Livraison express! Allez, mais non, ça va venir le McDo. Exactement. Non, je vais le mettre là-dedans. Attends, t'es en train de me demander de gâcher un Big Mac là. Exactement, ça va être drôle encore là ce qui va se passer. Ah ouais? Bon, si c'est pour la science. On va quand même le sentir pour le plaisir. Non mais ça va donner faim. Ah non mais ça donne faim justement. Oh, aïe aïe aïe. Ah ouais. Allez, adieu petit Big Mac. Je le pose hein. Ouais, plonge-le bien comme il faut hein. Bien l'habiller gros. Aïe 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 aïe. Ça te fait mal au cœur, non? Ah ouais, ça me fait trop mal au cœur.
Oh, what? Ça lâche un liquide noir, wesh. C'est la sauce, ça. Ah ouais? Ah non, mais en fait, non. Non, c'est pas la sauce. T'es en train de me faire peur. J'ai l'impression que c'était pas prévu, genre. Ouah, c'est tout noir. Ah, le bah, et là, tu vois, j'ai plus très faim là. T'as les trois couches là. Ouais. Oh, ça... oh putain, ça repue, mais c'est incroyable. Hein. Ah ouais, mais là, il ressemble plus à rien. Comme Big Mac. Tout ce qu'il voulait, c'était être mangé. Tu vois, le masque là, il est important là. Ouais, il est vraiment important. Et je peux te dire que c'est chaud à l'intérieur là. Hein. Mais l'acide, c'est pas chaud de base. Non, mais une fois que c'est réagi, ça fait un truc exothermique. Ok. Oh, regarde la viande, regarde la viande, je peux même plus l'attraper. C'est de la boue. Oh, c'est dégueulasse. Voilà, il reste plus rien. De la soupe. Ouais, c'est ça. Hein. T'es prêt pour l'explosion ou pas maintenant? Explosion. En vrai, je suis chaud. J'ai un peu peur, mais je suis chaud. Dès que ça parle d'explosion, ça m'intéresse. Et ben, on va descendre. On va descendre, on va mettre ça à la fenêtre et on est parti. On va faire ça dehors? Ouais. Bon, Michou, je t'avais parlé d'un effet sur le métal. Ouais. Fais-toi plaisir. On voit la dose. J'ai l'acide. Tu t'éloignes beaucoup trop. On met le masque? Ouais, mais de toute façon, là, on est en plein air. Enfin, on va s'éloigner. Il y a pas de danger. À vous, quand je dis il y a pas de danger, ça fait peur. Il y a pas de danger, mais quand même. On sait jamais, gros. Là, je verse tout. Ouais, mets-toi un peu plus bas. Dedans. Voilà. Ah, j'ai versé un bout du bas. Et là, maintenant, tu te bats. Je t'ai fait goûter un petit fumigène au début, tu vas voir. Ah ouais? Là c'est puissance 10 000 là. Ouais, avec un petit colorant alimentaire ajouté là. Mais non. Si? Ça m'a un peu de temps démarré, mais quand ça part, ça part. Hein. Ah ouais? C'est bizarre que ça prenne du temps. Bon, par contre là ça me paraît très très long quand même. Hein. C'est sûr qu'il est pas un peu trop rouillé, Nico? On va prendre un. Ouais, je veux bien. Ah. Quoi, ça réagit? Ouais, ah bah tu vois, c'est assez marrant ce qui vient de se passer. C'est l'acide qu'on a mis juste avant pour voir si ça fonctionnait. Et ben là, tu vois, elle est en train de réagir. On avait sorti un autre coup et tout, les gars, parce que ça prenait trop de temps. Mais ça réagit 10 minutes après. Ouais, à mon avis, tu vois, la rouille qu'il y a eu, ça l'a protégé de ouf. Ouais. Parce qu'il était tout rouillé. Michou, recule, s'il te plaît. Oula. Faut vraiment que je le ferme ou pas? Ouais, mais ça va sauter instantanément, Nico, c'est dangereux là. Non, enfin, instantanément. Ferme-le, hein. Ah, tu fermes le pot, ça va péter là? Normalement. Tu passeras, on est en train d'expérimenter un nouveau truc. T'as bien fermé partout, il y a une fuite à droite. Hein. Oh, ça fuit par en dessous. Ouais. Ça fuit par en dessous. Mec, viens voir, viens voir. Oh, il y a un trou. Mec, ça a transpercé le métal, c'est ce que je te dis au début. Nico, recule. What? Ça sent pas bon, on est d'accord, ça sent pas bon. Et on l'aura pas eu l'explosion là. Non, ça a pas pété. T'inquiète pas, ça va arriver juste après. Ah ouais? Avec autre chose. Oh. Et à l'intérieur, il est orange noir. Et t'as vu, ça l'a dissous le pauvre. Ouais, ouais, regarde, il est bien pété. C'est impressionnant. Je te prépare pour le bouquet final, une explosion comme t'as jamais vu. Gros. Ah ouais? Et avec quoi, grâce à quoi? C'est pas de la TNT, mais c'est avec du sodium. Ah ouais, donc là, on va mettre un métal spécial et de l'acide. Exactement, et au moindre contact de l'eau, ça explose. Oh bordel, oh j'ai hâte. Donc je te prépare un petit bock. Donc je te prépare un petit. Putain, comment ça s'appelle cette merde là? Un bol, hein. Un bol, ouais. Un saladier, ouais. Donc je te prépare un petit saladier juste avant de glaçon. Et après la vidéo sera terminée enfin, gros. Ok, ok, c'est la dernière expérience. Il y aura plus de risque pour toi. Bon, pour l'expérience finale, alors tu vas verser tous les glaçons. Ouais. Bah, je vais t'aider. Tout dans le saladier? Ouais, tout dans le saladier. Alors. Oh, tu vois, aïe. On va faire un petit puits en plein milieu. Ouais. Voilà. Et là, ça va être à nous de jouer. À 3, 2, 1, on décampe assez loin. Donc, regarde le sodium, le fameux sodium. Déjà, vu dans quoi il est mis, tu sens le danger du truc. Ah ouais, donc ça, c'est le sodium. Ouais. En fait, c'est un métal, mais là, c'est quoi le liquide autour? Ça, c'est une sorte d'huile qui permet de le protéger justement des contacts. Ok. Quand tu prends à la main, tu vas voir que c'est assez mou. Ah ouais, l'huile, tu l'enlèves du coup. Ouais, il y en a plus besoin. Regarde. Ah, j'avoue. C'est spécial, c'est un métal. C'est moelleux un peu, comme les, voilà. Comme les cookies. Je fais des bonnes comparaisons. Donc là, on va verser ça directement dans le glaçon. La GoPro, elle prend des risques. Hein. Bon, t'es prêt, Michou? Je suis archi prêt. 3, 2, 1, go! Ça va péter! Regarde, regarde. Oh! Oh! What the fuck? Et la GoPro, elle a rien du tout, mon pote. What? T'as vu ça? Faux. C'est une dynamite, wesh. C'est de la TNT, le bazar. Oh, et par contre, le saladier, il pouvait pas survivre là. Ah ouais, là, je m'attends. Mais terminé. J'étais archi pas à ça. T'as vu? Moi, tu m'as dit ça va péter. Et mais t'as vu au début? Ça s'enflamme. T'as de la fumée. Ça a pris feu et tout. Et on pensait que ça aurait pu être terminé. La première fois que je l'ai fait, mec, j'ai badé. Hein. J'étais à 2 mètres. Bam. Ouais, parce que toi, tu fais les expériences sans savoir quoi. Tu fais. Allez, bon, ça va avoir une petite flamme. Donc voilà. Waouh, la dinguerie. Et bah, les petits potes, je crois que la vidéo touche à sa fin. Alors, on était bon là. Et bah, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Et c'est pas terminé pour les expériences, puisque nouvelle vidéo aussi demain sur la chaîne d'Edison. N'hésitez pas à aller vous abonner. Déjà pour le remercier. Et aussi parce que du coup, demain il y aura une nouvelle vidéo. Merci à toi d'être venu, ça fait plaisir. Mais merci à toi de m'avoir invité, gros. Du coup, voilà, on vous fait des gros bisous. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ma chaîne ou la chaîne d'Edison si c'est pas déjà fait. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao les potes. Ciao.